Allô, allô. Pardon, je me connecte comme ça. Les gens qui viennent me dire que Zimando va être en direct, tel va être en direct. Je ne vis pas par rapport au direct des gens. D'abord, il faut que ce soit clair. Il peut y avoir des directs qui commencent. Je dis que okay, je coupe pour aller. Je n'attends pas 500 000 abonnés. Je suis la seule qui se connecte. Il n'y a pas 1000 personnes qui la regardent. Je suis souvent avec 100, 200, même 50, je parle. Donc, il ne faut pas m'amener que, oh, Zu va être en direct, oh, tel va être en direct, on ne va pas te suivre. Allez-y, là où il y a les gens bien. Moi, je suis ici avec des maigres gens, maigres vues, et je fais mon direct. Vous avez compris, non? Donc, je ne gère pas qui est en direct, qui n'est pas en direct. Quand le président va entrer en direct, j'ai mes gens sûrs qui vont me dire qu'il est entré. Le temps de fixer les choses dans un studio, on peut avoir du retard. Donc, je commence avec l'affaire des enfants. Parce que l'enfant s'est pleuré dans mes oreilles à 4 h du matin, heure du Canada. Voilà. Parce que j'ai dormi, je me suis levée pour être en train d'étudier dans mes choses. L'enfant était dans mon inbox. L'enfant a commencé à m'écrire depuis. L'enfant a commencé à m'écrire depuis. J'ai les inbox de ça. Et je n'ai pas répondu. L'enfant a un numéro 237. L'enfant a fait le direct sur son mur. L'enfant est arnaqué avec toute une bande d'enfants. L'enfant a 22 ans. Je ne peux pas rester indifférente et insensible face à la nécessité de braquer ma caméra pour parler pour quelque chose qui est important. Je ne suis une personne. Il ne faut pas qu'on me dise que tel va être en direct. J'en ai rien à foutre des directs des gens sur Facebook. Il faut que ce soit clair. Tout le monde a un détail. Chacun fait pour lui. Vous comprenez? Ça ne va même pas. Si vous avez 10 personnes, vous avez parlé. Donc vous pouvez quitter vous gentiment, aller camper sur les murs pour attendre ce qui arrive. Moi, je fais d'abord pour moi ici. Et vous avez vu, je suis venue naturelle. Je suis la seule femme qui apparaît naturelle. Vous voulez vous insulter, vous faites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est clair? Alors, l'enfant ne peut pas venir dans mon mur. Je vous dis, c'est une enfant. Elle m'a écrit. Elle m'a écrit déjà, ça fait combien de jours? Bonjour, tata reine-mère. C'est avec le cœur meurtri que je viens vers toi. Mes camarades et moi avons été escroqués par la styliste Clapstyle. Nous aimerons dénoncer pour éviter que les autres se fassent avoir. Voilà le message de l'enfant. Une jeune fille. Je n'ai même pas su regarder son numéro parce que je ne connais même pas son nom. Je ne connais pas son nom. OK? Et un enfant qui m'écrit comme ça depuis je ne sais combien de jours. Salut, ça va? Je fais, oh my God. Oh my God. Moi, je fais toujours mes choses avec la clarté. Si vous voulez vous partez dormir, si vous voulez vous partager, quand ils vont finir tout ce qu'ils font dans tous les grands directs des planètes qui nourrissent tout Facebook, vous allez venir nous trouver ici, là. Nous, on est ici. Nous, on est assis ici. Voilà. L'enfant a mis ça. J'ai dit bonjour, tata. Elle m'a encore écrit bonjour, tata reine. Elle m'a envoyé la vidéo qu'elle-même, elle a fait de son propre mur, l'enfant. Enfin, c'est ça. Une vidéo qu'elle s'est mise avec son amie. Elle a laissé l'empirique frange devant la tête. C'est elle. La jeunesse, 22 ans. C'est sa belle famille qui a payé pour qu'elle puisse faire la formation à l'université de l'amour de Zongo Miak. Et l'université de l'amour de Zongo Miak n'a pas rempli les. C'est-à-dire ce pourquoi l'enfant a payé pour suivre les cours. Il y avait plusieurs programmes que l'enfant devait suivre. L'enfant n'a pas suivi ces programmes-là. Ça a été à l'envers, bancal, à Califouchon. Attendez, hein. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est qui? J'ai laissé un message. Je pense que j'ai reçu votre message par Facebook qu'il fallait que je vous appelle. Et vous êtes à Montréal. C'est la reine mère bio, c'est Nathalie Babal. Ah oui, ça va très bien, merci. Est-ce que ce sera long? Est-ce que c'est quelque chose de bref? Parce que je peux vous rappeler, hein, il n'y a pas de souci. Tu peux rappeler dans combien de temps, s'il vous plaît? D'accord, parfait. Je rappelle comme dans 1 heure, genre. Merci, c'est bien beau. Bien des choses. Voilà. Voilà, je suis très sollicitée. Moi, je reçois les messages, même dans Montréal, on a besoin de moi. Je ne peux pas être insensible. L'enfant m'a dit que la parole à Aïcha Kamouaz. Aïcha Kamouaz n'a rien fait. Aïcha Kamouaz a peut-être pas lu le message, je ne sais pas. Elle a parlé avec eux. Elle m'a donné les noms des artistes, des blogueurs, des influenceurs. Zongo Miak, les gros noms, comme vous savez, écrit les gros noms, Zongo Miak, là. Ils n'ont rien fait. L'enfant pleure. C'est sa belle famille. Elle est même déjà fiancée, si jeune, à son si jeune âge. Et quelque chose qui a salué et a loué. Parce qu'elle a 22 ans, elle a son fiancé. Elle a écrit que c'est sa belle famille qui a appelé, qui a payé pour qu'elle puisse faire la formation. OK? Elle n'a rien eu comme formation. Elle a lancé un direct sur son mur. Sa page, c'est Marie Joël Ngouve. Whatever. Elle a lancé un direct sur son mur il y a 6 jours. Et quand elle a lancé un direct sur son mur, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont vu, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas été pour vraiment étudier, examiner ce qui s'est passé. Elle a lancé un direct sur son mur. Maintenant, notre patronne des ciseaux
la grande patronne, la grande, c'est-à-dire que celle qui coupe les habits qu'on n'a jamais vu, celle qui est, je ne sais même pas, et qui est toujours en train d'insulter ses clients. Si je vous dis que dans mon inbox, j'ai beaucoup de gens qui se plaignent d'elle. J'ai une autre personne ici aux États-Unis, qui est ma personne personnelle, qui s'est plaint d'elle un bout, mais j'ai toujours glissé. Parce que moi, les choses des plaintes, vous savez, je ne suis pas le genre à venir des chantiers, oh ceci, oh venez. On a dit que, comme si je me réjouis, je veux seulement qu'on remette l'argent de ses enfants. Si les enfants n'ont pas pris la formation à l'université de la mode, parlez-les d'eau, on quitte sur les problèmes. Mais toi, tu as un problème à rembourser l'argent des gens. J'ai une personne ici, qui est ma personne personnelle. Je veux juste souligner en passant, pour si je trouve les messages que j'ai échangés avec elle et que WhatsApp n'a pas effacé, vous allez voir qu'il y a plein de choses autour de claps. Je vais monter. Si je monte, je trouve, vous allez voir qu'il y a plein de choses si je n'ai pas effacé. Voilà. Mm-hmm. Voilà la robe qu'elle a cousue. Ouais. C'est une de mes personnes personnelles, regardez. Voilà, alors c'est une affaire d'une robe. Attends, j'avais Eleba photo, Eleba ceci, je ne sais pas si je peux encore voir. C'est quel modèle que je veux? C'était le modèle que je veux. Tu vas m'envoyer les photos, les choses, que beaucoup de choses se sont effacées, je pense. C'était, regardez, vous allez voir, c'était le modèle, c'est le modèle que je veux. Voilà la robe qu'elle a cousue. Regarde bien la différence. Regarde comment elle a encore arrangé. Regarde très bien les différences d'un design. Voilà, c'est toujours sur elle. Voilà. Tu comprends? Club style. C'est mon ami personnel aux États-Unis. Ce n'est pas réglé. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Je suis sûre. Parce qu'il paraît que celle-là a la manie de traverser au-dessus des choses. Comme si, quand vous êtes déjà sur Facebook, vous avez les 500 000 et 1 million d'abonnés. Parce que vous pouvez traîner les gens par le bout du nez. Vous pouvez, je ne sais même pas quoi. Vous savez que quand on est debout, pour tomber aussi, c'est très facile. Vous avez vu le grand, le feu Michael Jackson. Quand on a dit qu'il devait tomber là, on a fabriqué. Je ne sais pas si c'était vrai, c'était faux. On a mis ça sur lui. Ça l'a fait tomber, dégringoler jusqu'au sol. C'est comme ça. Donc, il faut faire très attention. Quand vous avancez, avancez lentement, sûrement et bien. Et des montants exorbitants comme ça pour des pauvres familles en Afrique qui n'ont pas assez de moyens, ne vous amusez pas à les manger n'importe comment. Aidez la jeunesse, les enfants. Voilà une jeune fille de 22 ans qui décide d'apprendre la couture. Parce qu'elle te voit, tu postes tes choses sur Facebook. Elle est intéressée. Elle te voit, elle dit que ouais, je vais aller faire la couture à l'université. Quand tu fais la publicité de l'université, on ne peut même pas respirer. Quand on entend la publicité de l'université, maman, c'est la magie. Je vais faire ta pub. Quand vous venez vous inscrire à Clap sur l'université de la mode à Yaoundé, sachez que la formation chez nous, c'est un an. Un an égale 12 mois. Mm-hmm. Okay? Voilà. Tu nous comptes un an. Le programme de formation s'étend sur 10 mois. D'accord? Et nous avons 10 mois de formation intense et 2 mois de stage. D'accord? DJ, est-ce que DJ est au bout? On va se Tu ne vas rien justifier si tu ne rembourses pas l'argent des enfants. Tu as fini? Tu t'hydrates. Hein? Donc, tu bois de l'eau dès maintenant. On prend ta bouteille d'eau. Dès maintenant, pas le soir. De la mode, sachez que la formation, c'est un an. Un an égale 12 mois. On connaît. Voilà. Mais sachez que notre programme s'étend sur 10 mois. 10 mois de formation plein et 2 mois de stage. Ok, donc on vous donne cette information dès le premier jour. Mm-hmm. Si la rentrée a lieu le 4 septembre, vous arrivez le 10 septembre, le 20 septembre, ça ne change en rien la durée de la formation. Quand mm-hmm. vous arrivez en retard, on vous aide à rattraper les cours que vous avez ratés. Parfait. Ok, donc si vous commencez en septembre, vous finissez 10 mois après et vous avez 2 mois de stage, ça fait en tout 12 mois. Mm-hmm. Ok, donc voilà, donc il faut que vous le sachiez. Donc on a une rentrée, si vous arrivez la rentrée à commencer, on vous permet de rattraper les cours que vous avez. Partagez la vidéo. Les maigres gens sont en train d'attendre. Peut-être en octobre, alors que l'école a commencé en septembre, on va prolonger votre temps de formation. Non. Mm-hmm. Si l'école a commencé en septembre, vous êtes arrivé en octobre, on vous aide à rattraper les cours que vous avez perdus. Mm-hmm. Mais on ne prolonge pas votre durée de formation. Non et non. Mm-hmm. C'est 10 mois de formation intense pour tout le monde à partir du premier jour de la rentrée. Et 2 mois de stage offert après les 10 mois de formation. Mm-hmm. J'espère que c'est clair. Mm-hmm. Donc ne venez pas vous inscrire et après 10 mois de formation, vous dites que non, vous êtes arrivé après la rentrée. Il faut qu'on les pains, envoyez les cœurs. Gratuitement. Après les 12 mois, 10 mois de formation et 2 mois de stage, ça fait 12 mois, vous pouvez vous perfectionner gratuitement chez nous.
à la maison de couture, à Clapsil Maison de Haute Couture. Le perfectionnement pour les étudiants de l'université est gratuit. Ça veut dire que quand vous avez terminé votre formation, vous voulez encore améliorer les finitions, expérimenter beaucoup de modèles, voir d'autres choses, vous venez en maison de couture, on vous perfectionne gratuitement. Gratuitement. J'espère que c'est clair. Et on vous offre 3 mois de perfection gratuitement et après on vous emploie. Après les 3 mois de perfectionnement, on vous emploie. Parce que pendant le perfectionnement, comme ça passe en maison de couture, vous avez le temps de voir comment on travaille sur les tenues de nos clients, de travailler avec nous, de voir beaucoup de choses, d'améliorer beaucoup de choses. Parce qu'après 12 mois de formation, vous avez encore besoin d'expérimenter beaucoup de choses sur le terrain. Donc, toute une université. Ça passe pendant le perfectionnement. Et après 3 mois de perfectionnement, de spécialisation, on vous offre un emploi. Okay. Bravo. Donc j'espère que c'est clair. Pour le 237, bravo. Parce que les étudiants de la dernière promotion sortante qui ont débuté l'école le 1er août 2022 et qui ont terminé l'école en juin 2023, ces étudiants nous ont cassé les pieds. Ok? Il y avait une poignée d'étudiants très mal intentionnés qui nous ont tellement cassé les pieds en fin de formation. Après avoir reçu 10 mois de cours, ils ont commencé à nous déranger. Pourtant, les choses étaient claires dès le départ. Vous comprenez? Il y a même certains étudiants qui ont commencé en fin novembre, en rattrapage de ceux qui ont commencé en août, qui vont finir en fin octobre. Les étudiants qui ont commencé en fin novembre 2022 vont finir en fin octobre. Et quand ils terminent, s'ils veulent se perfectionner, le perfectionnement est gratuit. C'est gratuit. Et je voudrais profiter pour mettre en garde tous ceux qui veulent venir se former chez nous. Quand vous venez vous former chez nous, bon, moi je vois que, Clapsil, je ne sais pas, l'affaire de... Attends, maman. Formation, de respecter vos enseignants, de respecter la... Ma chérie, tu as dit que quand l'école commence, quand l'université commence, si on a commencé en septembre, si quelqu'un arrive en octobre ou en novembre, il rattrape ce qu'il n'a pas fait et il... Il finit au même moment. Si celui qui a commencé en septembre, comme c'est 12 mois, c'est-à-dire 10 mois de cours et 2 mois de stage, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc normalement, quelqu'un qui commence en septembre devait finir en septembre normalement, en grosso modo. Sauf que toi, tu dis que ceux qui ont commencé en novembre finissent en octobre. Donc ça veut dire qu'ils sont crédités de 1 mois. Mais si la rentrée était en septembre, on a octobre, on a novembre, ça fait 2 mois. En tout cas, tu te dis, c'est un peu mélangeant. Mais c'est pas grave, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ok. Et Clapsil, excuse-moi ma chérie, quand tu expliques ton université, c'est tellement magnifique. Franchement, c'est parfait de créer de l'emploi, c'est-à-dire de créer une débouché à l'emploi suite à une formation et de permettre à la jeunesse, surtout la jeune jeunesse là, de se mettre au travail. Voilà. Bon, je vais te bloquer. Ceux qui écrivent les noms des pages où ils sont là, j'en ai rien à foutre. Des pages annexes ou des pages de je ne sais pas quoi. D'accord? Ne viens plus écrire les pages qui sont en direct, s'il te plaît. Sinon, on va te bloquer. Moi, c'est comme ça, je bloque facilement. On dirait que j'ai une phobie maladive. Tu ne veux pas m'écrire qu'une page. J'en ai rien à foutre des pages qui sont en direct. Je nique leur race, si tu veux. Je m'en fous royalement. Parce que c'est clair. Parce que moi, je suis en direct pour quelque chose. Il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, il ne faut pas venir écrire les choses des pages qui sont en direct. Sinon, moi, je te bloque. Même si tu es qui que je connaissais, que c'est monté, c'est descendu, moi, je te bloque. Moi, je suis en train de parler de quelque chose qui est important. J'ai des enfants qui sont en train de pleurer. Ça fait longtemps que leur problème dure. Personne ne les a écoutés. Soit aller voir les grandes stars qui ont les pages avec les 1 million d'abonnés. Les gens qui se connaissent, ils ont 5000 vues. Personne n'a voulu régler leur problème. Peut-être voulaient qu'ils payent l'argent, je ne sais pas. Moi, l'enfant a pleuré dans mon inbox cette nuit. J'ai dit que je veux venir parler de ça. Et je parle de ça. D'accord? Donc, nous, on prenait, je mettais la partie ici pour qu'on comprenne qu'il y a toute une université à ta compagnie faite, c'est-à-dire que ta société, de que la rectrice, fondatrice, directrice générale de l'université a dit comment ça se passe. 12 mois de cours, 2 mois de quoi là, et comme ci et comme ça. D'accord? Franchement, franchement, oui, je sais, Vonvon, mais sauf que moi, je n'aime pas cette habitude. Quand tu te connais, tu te dis que tel est en direct, j'ouvre mon compte Facebook seul.
Je combattais même Sungoué quand ça arrivait seul. À l'époque, c'était Mana la Tonganaise Citron Vert depuis 7-8 ans. Avant ça, je faisais mes événements, je dansais, je sais ci, je sais là. Je suis la première Camerounaise à être salariée par le live Facebook en dollars US. Donc, laissez-moi un peu tranquille, s'il vous plaît. Comme je me connais, je ne veux pas que vous venez me dire que tel, tel. Je ne fonctionne pas, je suis dans aucune team. Je ne fonctionne pas par rapport aux pages des gens. Il faut que ce soit clair. Et quand j'ai quelque chose à dire, je dis. On peut venir m'écrire là que le président commence déjà son direct chez Lolo. Je peux dire que, ok, coupon, allons voir. Quelqu'un qui m'écrit ça pour maintenant, ça va m'intéresser parce que je dois être dans ce direct-là. Vous savez que je suis à la maison que pour ça. D'accord? Mais avant, le temps qu'il fixe tout, que le studio va faire que si, que ça, il y a parfois les appareils qu'on est en train d'arrimer, ça peut prendre le temps. Alors, entre-temps, j'entre en direct, je vais négocier un problème. Vous savez que le temps, c'est l'argent. Si je ne mets pas le direct de cet enfant, si maintenant, il fait ça quand? Peut-être ça lundi. Lundi, c'est à la semaine qui commence. C'est compliqué. Et les enfants sont en train de pleurer. Ok? Donc, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Franchement. Attendez. Voilà une dame, styliste, modéliste, dessinatrice de modèles, tout ce que tu veux, qui a arnaqué des enfants. Ok? Et que ce n'est pas fini. Elle arnaque même les femmes qui courent. J'ai des plaintes de cette dame. Je vous dis, seulement mon amie que j'ai mis plus d'autres gens. Elle m'a pris l'argent. Ça avait fait ceci. Il y a une autre là qui s'était plein. Après, on lui a remboursé un peu. Toujours ici, même au Canada, là, que vous entendez là. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Dans la vie, moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'assoit et cherche les vues, les choses des gens à faire, les soucis à faire. Non. Moi, je préfère que chacun est là. Comment je peux dire? Chacun réussisse à s'en sortir dans le domaine qu'il choisit de faire et chacun soit considéré pour ce qu'il est, selon comment il a pris ses deux pieds pour venir entrer dans l'affaire de quelqu'un. Alors, les enfants viennent s'inscrire dans ton université. Les jeunes, les enfants que toi-même tu peux accoucher. Vous êtes ici sur Facebook, vous êtes les petites filles. Mais la fille a 22 ans, tu perds sa mère. Elle vient s'inscrire avec l'argent que sa belle famille. Peut-être on a dit qu'elle a 22 ans, elle ne fait pas quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut faire là? Elle veut faire la couture, on l'inscrit. Et toi, tu viens, tu chopes leur dos. Ces enfants ont déjà fait le direct sur leur mur. Ces enfants même sont devenus même populaires et publics sans le vouloir. C'est pas des enfants qui faisaient les directs. Mais à cause des problèmes que tu as mis sur eux, elles sont venues faire le direct. Tu dis que tu donnes 12 mois de cours, 10 mois de cours et 2 mois de stage. Mais c'est pas la réalité de ces enfants. Tu dis qu'un certain nombre de gens, la session de tel à tel, nous donne des problèmes vers la fin du cours. Ce n'est pas la réalité de ces enfants. Ok? Et sans vous mentir, Von Roche, je n'ai pas essayé de contacter Clapsy. Je suis désolée. Parce que vous savez, il n'y a rien. Je n'ai pas mon ami. Clapsy n'est pas mon ami. Et moi, je prends quelque chose qu'on vient me donner sur Facebook. Quand je trouve que c'est insensé, je viens en parler parce que c'est déjà sur Facebook. Les enfants ont fait les directs et tout. Ce n'est pas une affaire qui est une alliance par derrière pour couvrir les saletés des gens. Je ne fonctionne pas comme ça. Si Clapsy l'a fait, ça rembourse les enfants. Point final. Je vais ici pour l'insulter, pour la clasher, pour dire qu'elle s'en est placée ici. Ses fesses sont ceci ou sa tête ou son teint ou je ne sais pas quoi. Je suis ici pour dire qu'elle. C'est injuste ce qu'elle a fait, elle doit rembourser ses enfants. Les enfants ne peuvent pas se lever, commencer à lancer les directs, commencer à écrire à toutes les personnes. On ne les écoute pas. Et puis moi, je ne veux pas venir parler parce qu'il faut que je l'appelle en inbox. Je suis ici pour régler les problèmes en inbox quand quelque chose nous trouve sur Facebook. J'ai dit que la vidéo des enfants est faite depuis 6 jours. La réponse de Clapsy est faite depuis combien de jours? Je viens de vous donner la réponse de Clapsy. Tout ça est sur Facebook. Maintenant, moi, je m'avais l'appeler. Que je suis qui? Je suis la moratrice, la modératrice de l'arrière. Je ne parlais que sur Facebook. Ça m'a trouvé que sur Facebook. Et on est venu me trouver en inbox et j'ai choisi de parler. C'est comme ça. Alors, cet enfant, je lui ai dit, ses amies, elles sont nombreuses, ses amies et tout, sont prêtes à parler. Tu comprends? J'ai dit que ma fille, je vais faire le direct. Tu vas venir, je vais te poser les questions, tu vas m'introduire ce qui est. Et si le chantier va durer, ce que ça va durer, l'essentiel est qu'elle vous rembourse. Tu dois les rembourser, ils vont dans une autre fabrication d'université. Ils doivent avoir d'autres universités de la mode au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu n'es pas la seule. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, donnez-nous les références des universités de l'amour. Clap style, on réclame l'argent des enfants. Elle rembourse les enfants. On les oriente dans une nouvelle université de l'amour. C'est pas compliqué. Il y a quoi que vous ne comprenez pas dessus. Faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Et puis, je dois aller au fond. Toi, tu me souhaites que je m'avais lui dit. Moi, je m'en ai parlé au quartier par rapport à quoi. Donc, je vais l'appeler au quartier. Je dis que je viens de voir un truc là. On est en train de dire que parce que je couvre quoi? Je couvre les œufs. Quand l'affaire est sur le carrefour, faut laisser. Et quand tu viens avec un dossier, tu dis que j'ai un dossier croustillant, je sors un chantier qu'on n'a jamais entendu. Ça, là, il y a des gens en route de nous avant. Franchement, vous avez... Non, je n'ai pas de relation. Je ne fonctionne pas en termes de relation en commun. Je ne suis pas en train d'éclater. Je suis en train de dire qu'on rembourse les enfants. Tu vois, non. Je ne fonctionne pas du genre, comme je connais tel, j'ai des affinités. Je ne suis pas en train de l'insulter. Elle est debout, elle a son université de l'amour dont on respecte. Elle est styliste, elle dessine les modèles qu'on n'a même jamais vus. C'est bon. Mais maintenant, pour le moment, on a un groupe d'enfants de 22 ans. C'est l'âge de Leslie qu'on a frappé. Nous, les mères, elles sont allées écrire chez Aïcha. Elles sont allées écrire partout. Les enfants se disent que Clapsy a payé les influenceurs et tout pour que personne ne parle de ça. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles ont fait un duel, elles ont parlé là-bas jusqu'à... On ne les calcule même pas. Vous comprenez? Voilà l'enfant qui est là en train de parler. Vous
parlez de quoi? Il faut les arrêter un peu vos conneries là. Il n'y a personne qui a la buse. Vous avez vu le grand, les vieux sugar daddy du Gabon qui avait toutes les grandes influenceuses comme femmes qu'elle faisait venir dans les jets privés pour faire de quoi? Et les donner les grosses valises d'argent qui est le contribuable du Gabon. Vous avez vu comment les affaissés sont tombés au sol comme les vieilles choses. Il y a chaque chose, il y a un temps pour tout. Claire, si tu peux quitter sur le problème des enfants, si ton empire tombe. Alors, pour que ton empire ne tombe pas, finis avec les enfants si tu quittes sur les problèmes. Pas de venir te tenir. La tenue, si, j'ai attaché ça comme ça, j'ai cousu ça comme si. Maintenant, à l'université de l'amour, etc. Non. Et s'il te plaît, ma chérie, vraiment, je te parle là, je suis une grande soeur. C'est qu'est-ce que vous êtes toutes mes petites soeurs ici. Moi, c'est moi l'aînée. Peut-être vous êtes ma coucher. Maman, bon, mon hibou là, rends l'argent des enfants là. Je t'ai déjà vu, j'ai déjà vu ton chéri. Vous formez un très beau couple. Même si ton chéri m'entend, mais bon, mon hibou là, arrêtez des esclavoussures sur vous comme ça. Quand ce n'est pas les habits que tu as pris le tissu, tu as coupé la tissu comme il ne faut pas, tu as fait ceci, cela, l'argent, la fille a fait le dépôt, la couture est d'abord chère, et quand c'est aussi cher, la personne fait le dépôt, ce n'est pas ce qu'il y a, ceci est monté, ceci est descendu. Vous dites que, oh, donc les enfants vont se plaindre, moi je vais faire comme si je ne vois pas. Elle doit rembourser les enfants, c'est tout. Les enfants partent dans une autre université. C'était 200 000, c'est combien? L'enfant, je vais l'appeler. Je vais avoir les vraies questions. Parce qu'on ne veut pas entrer dans le chantier en détail. On ne veut pas salir l'université. Maman, tu fais l'université. Applaudissez pour elle. L'université débouche à l'emploi. Applaudissez pour elle. Elle donne les stages, même la formation, 3 mois gratuits après l'université pour pouvoir coudre et perfectionner. Applaudissez pour elle. C'est magnifique, c'est beau, c'est génie. Elle-même est toujours bien habillée dans les beaux vêtements. Applaudissez pour elle. Mais les enfants se plaignent. Qu'est-ce que tu fais? Quand on voit les McDonald's, tu vas à McDonald's commander un sandwich. Toi, tu es au Canada, Clapsy. Tu vas à McDonald's commander un sandwich. Tu commandes, on t'a servi, ce n'est pas comme il faut. Gars, tu t'arranges. Non, ce qui me vexe, hein, c'est que vont. J'ai fait le post que je viens en direct dans une. Oh, le président doit d'abord passer. Oh, tel est en direct. Oh, tel, ça m'a énervé. Donc, si on est en direct, t'es en fâche. Je me suis dit, mais quelles sont même ces manières? Je peux même être que le président est passé, moi, il faut aussi le direct. C'est comment? Est-ce que je partage et je continue à faire mon direct? Vous savez l'heure que j'ai, vous savez le programme que j'ai après? C'est ça qui m'énerve un peu sur Facebook. C'est comme si on se dit, si quelqu'un en direct, tout le monde, moi-même que je suis en direct, je n'ai jamais 2000 personnes, ni 1500, ni même 1000. Donc quand ça atteint 500, on me signale. D'abord, le direct disparaît comme ça, boum. Donc je suis habitué. Je suis habitué. Franchement, il faut arrêter. Et moi, je ne peux pas dire que, comme j'ai les gens en commun, Clapsteel, il y a une histoire. J'ai au moins 5 histoires de Clapsteel. Je n'ai jamais voulu même parler. Moi, je vois les enfants. Ok? Et franchement, je vais dire, tu coûtes très bien. Tu es styliste, dessinatrice, modéliste de tout ce que tu veux. Bravo! Mais ma chérie, seulement sur le groupe, tu as dit que c'est la session ici qui vous a donné les problèmes. Je vais laisser jusqu'au niveau là, j'ai coupé ta vidéo. Tu as dit que cette session vous a donné des problèmes. Va voir le neutre. Tu es ici au Canada. Les gens au pays, tes professeurs, ils doivent t'informer comme il faut et tu dois régler. La femme a dit qu'à un moment, elle a parlé un truc. Tu lui as dit, oh, c'est fichement. Quand tu l'as tellement rabou, elle est encore restée. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui ont l'éducation et les valeurs. Il y a des enfants qui ont certains mots qu'on leur a pas dit depuis qu'ils sont nés. Il y a des gens qui ont grandi dans les quartiers de tabac. Quand on dit A, ils disent Z, ils insultent même avec toutes les parties, les bas bien des mamans et des papas. Mais il y a d'autres que quand on dit ça, ça les traumatise. L'enfant dit qu'elle a dit un truc. Tu l'as raboué d'une façon. Elle a dit que. C'est la tata psycho. Oh, quand tu te connais, la vie, si est beau, mais la ceinture, n'attache pas derrière, plusieurs façons de porter, c'est une création de capsule, est montée et descendue. Maman, c'est magnifique. Parle content. On sait que n'importe comment, les filles qui sont fans de la couture, elles ont un avenir. Ça dit que prometteur, et elles peuvent finir par ouvrir l'atelier ou finir par travailler dans ta grande, grande industrie de vêtements. L'université de l'amour. Maman, et puis tu viens maintenant finir avec les enfants. Je vais appeler ma fille là. Elle est dehors. Moi, j'ai pas le temps pour gérer beaucoup de choses. Mais elle a pleuré dans mon inbox. J'ai dormi tard. Moi, j'ai dormi, je me suis levé au petit matin et travaillé dans mes choses. Il était 4 heures du matin. Elle doit se rappeler. L'heure que j'ai parlé, je vais vous montrer l'heure que j'ai parlé à l'enfant là cette nuit. Attendez, vous croyez que quoi? J'ai parlé à l'enfant. Attendez, que. C'est sérieux. Vous pensez que j'invente? Que je vais lui donner les problèmes, que je suis sur Facebook pour donner les problèmes aux grandes dames. Faut arrêter. Voilà ça. Merci, maman, je parle. Voilà, si l'enfant. L'heure, aujourd'hui, regarde, à 2h, 2h09 du matin. Du matin aujourd'hui. C'était ça, non? Aujourd'hui, à 2h du matin de aujourd'hui. Parce que là, ici au Canada, maintenant, il est 12h34. Ils vont donner. Tu veux la connaître? Bon, et les trucs là que tu as appliqués,
Tu vois que ça, c'est combien de temps? Tu as parlé avec le Maca? Non, il y a pire à voir les mails. Non, je dis pour le salaire, tu as parlé avec le Maca? Pour le salaire. Qu'est-ce que tu te confirmes que tu veux? C'est M. Chauvier, l'autre entreprise. Ah, d'accord. Il a dit la femme de Maca. Ah, d'accord, c'est bon. On se parle. Okay. Donc, regarde. Bonjour, tata Reine, à 2h du matin. Je suis en train de travailler. Papa. Je vois après, je prends l'appel. Je ne peux pas vous montrer l'appel parce que je ne vois plus l'appel. Mais attends, je peux voir. Je vais essayer. Est-ce que moi, il y a un problème? Moi, je ne fais pas mes choses. Je ne suis pas dans les choses qu'on fait les choses pour détruire, pour détruire. Non, non. Bonjour, la Black Beauty. Les gens me trouvent nerveuse aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des choses qui me dérangent sur mes temps. Quand quelqu'un, toi, la Black Beauty, tu es ma petite sister. Quand toi, tu lances tes directs, ta perso en direct, je ne veux pas partager. Je lance ma part. Oh, ha! Oui, parce que j'ai quelque chose à dire. Je partage que voilà, Black Beauty là-bas, moi, mes ici. Toi-même, quand tu me vois, tu lances ta part, tu partages. On continue. Je vais pas être que, oh, parce que toi, il me connaît. Il me connaît, il m'a partagé, il me connaît. Donc, je ne le connais pas. On ne se connaît pas. Donc, allez-y, laissez-moi ici avec mes mails. C'est fatigant, c'est frustrant. Il n'y a personne qui a créé son compte par rapport à quelqu'un ici. Il n'y a personne qui œuvre dans son compte par rapport à quelqu'un. Je suis désolé. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment un peu mis en boule. Et puis, les enfants sont en train de pleurer. La petite fille-là est là en direct, en train d'écrire les commentaires parce qu'elle se dit au moins une personne parle. Ma fille, tu as coqué chez la maman des maigres vues. Tu vois, je n'aurai pas 3000 personnes. Mais ton message va passer parce que je suis suivi jusqu'à la présidence, je suis suivi jusqu'à la délégation de la sécurité nationale. On me suit partout. Ce qui est suivi, c'est ça. Oui, oui. Ce qui est suivi, c'est ce suivi. Ça dit que c'est pas possible. Comme vous voyez là, ce n'est pas les choses qu'on parle. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Classe-t-il, rembourse les enfants. Merci, mémé. C'est tout ce qu'on te demande. Tu es très belle, tu as un beau corps, tes habits te vont bien, tu dessines tout ce qu'il faut. Tu es la dessinatrice de tous les modèles possibles. Ma chérie, rembourse les enfants. S'il te plaît. Je n'aime pas ça. C'est des choses que je n'aime pas. Il ne faut pas qu'on dure longtemps dedans. Il faut qu'on parle ça aujourd'hui. Appelle la session que tu dis qu'elle t'a donné les problèmes. Tu comptes l'argent si tu es vraiment l'université qui œuvre depuis. Ça fait même, tu as dit que ça fait combien d'années là? Vous êtes là depuis des années, hein, ou c'est 18 ans, ou c'est combien? Beaucoup d'années, 20 ans. Beaucoup d'années que tu travailles. Donc ça veut dire qu'il y a les dividendes, les dividendes. Donc ce qui est sûr, tu n'es pas à 2 ou 4 étudiants prêts. Finis avec les enfants là. Joue la grande dame. Et tu finis avec les enfants là. D'accord? Pas mon ébou là. C'est tout ce qu'on te demande, ma chérie. Et. Voici que la petite m'a appelé, elle m'a montré, je lui ai dit que tu as fait un direct, je n'ai pas vu. Comme je vous dis, lorsque que vous êtes supposé aller à 5000 là-bas, je ne connais pas c'est qui, maman. Je suis souvent dans mon carrefour de Facebook ici, avec mes maigres vues. Elle me dit, je lui ai fait, envoie-moi les liens. Elle m'a envoyé les 3 liens. Le premier lien, c'est ça ici. C'est la petite fille qui est en train de parler. C'est cette nuit, les liens de son direct. Je suis appelé là-bas, j'ai coupé un petit bout que je vous ai mis. Le deuxième lien que la fille m'a envoyé toujours cette nuit, l'enfant m'a envoyé cette nuit. Elle dit, envoie-moi les liens. Elle dit mon direct. Elle a envoyé là, écrit en bas mon direct. Et maintenant, le direct de la patronne que je viens de vous mettre, le voilà. J'ai coupé, je vous ai fait écouter. J'ai même essayé de couper pour mettre même sur mon mur. Là où elle parle que université, 12 mois, 12 semaines. Et comme ça, elle a fait, elle est montée et descendue. OK? Et franchement, je ne suis pas d'accord. Maintenant, tu dis on se rapproche de l'autre dame avec l'autre version. L'autre dame, c'est dans cette vidéo qu'elle a parlé l'autre version. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Pensez qu'on a le temps pour appeler ici, appeler là-bas, car les choses sont déjà placées sur Meta. C'est ici que l'autre dame a dit qu'elle a eu une session qui l'a beaucoup dérangée. Maintenant, quand il y a un problème, quand on va voir le juge ou l'avocat, quand on va en justice, ce n'est pas la partie la plus vulnérable qu'on essaye de quai. L'avocat de, comment on dit, comment on appelle cela là? Le procureur de la couronne, il protège la partie plaignante et la partie vulnérable. C'est celle qui est venue se plaindre à moi que je dois gérer. Tu sais combien de plaintes j'ai eues, je ne suis pas venue. Tu arrêtes vos conneries, que rapproche-toi de ce. Je ne suis pas la conciliante de Meta. D'accord? Quand une vidéo me trouve ici, là, d'abord, je parle même, je coupe, je partage. Vous avez vu, j'ai partagé à Tangana et Somba, de Michel et Somba. Elle est venue dire que c'est Amoud qui envoie les gens. J'ai partagé depuis janvier. Je n'étais pas morte. Amoud m'a dit que coupe, tu partages, coupe tout ce qu'à Tangana est venu dire ici, là. Hein? Antoine Atamana, j'ai mis sur mon mur, j'ai encore fait même relire ça, écouter ça l'autre jour. Donc, laissez vos choses que rapproche-toi comme ça, fait voilà. Donc, c'est ça. Pardon, Clapstil, me chouchou, me lapto, remets l'argent des enfants. Tu es une grande dame, ma clapeur, vous voyez, clapeuse, moi, dis, cotisez, vous aidez votre patron à finir avec les enfants. Je vais maintenant appeler l'enfant, parce que j'ai des questions pour l'enfant. Moi, je ne suis pas là pour m'éterniser sur quelque chose. On cranche ça vite fait, bien fait.
Et dites-moi si le président est en direct chez Lolo, s'il vous plaît. Voilà. Allô, maman. Allô, mon amour, comment tu vas, beauté? Oui, maman, je vais bien. Oui, donne-moi ton prénom. Oui, hein. Je ne connais même pas ton prénom. Moi, je suis en direct déjà. Là. Moi, il y a des choses que ça m'énerve. Voilà. Ton prénom, c'est quoi, oui, ma fille? Mon prénom, c'est Jorel. Jorel, voilà. Tu as quel âge, mon bébé? J'ai 22 ans. Voilà, une jeune fille de 22 ans. Tu as eu les informations de l'université de la mode comment? Sur Internet, parce que je suis Madame Clapsy depuis près de 4 ans déjà. Parfait. Donc, j'étais fan de son travail. Parfait. Donc, madame, je t'ai dit que tu fais des beaux vêtements, tu dessines bien, c'est joli. Maintenant, mon bébé, tu as commencé la formation que tu te plains qui n'a pas été faite comme il faut. Et que vous êtes combien dans la plainte, dans le problème? Nous avons actuellement dans la plainte, nous sommes 5 parce que nous sommes les 5 personnes qui avons pu résister jusqu'à la fin. Les autres sont partis avant. Mais voilà. Sinon, au début, quand nous avons commencé, nous étions près de 20 à 25 personnes. Voilà. Et quand vous commencez, vous payez tout le montant ou vous payez une partie? Quand on commence, parce que la scolarité est divisée en 3 tranches. Avant, Madame Clapin, une politique, c'est avant d'avoir accès à sa salle de cours et à son établissement, tu dois d'abord payer ton inscription qui est 50 000, les frais de matériel qui est 25 000 et la première tranche qui est 200 000. Ça veut dire que tu as d'abord 275 000 obligatoires à déposer avant d'entrer en classe. Tu vois. Ok. Et la plupart de vous, vous étiez à l'étape 1 ou l'étape 2 ou l'étape 3, non, non. Le paiement. Nous avons payé jusqu'à la fin. Nous avons ça payé va? Jusqu'à la dernière tranche. Attends, ma chérie. Ça va? Hein? Quelque chose est tombé. Ça va, Ka? Qu'est-ce qui est tombé? Ok. Yo, j'ai entendu un boum en haut là-bas. Ok. Oui, maman, excuse-moi, recommence. Vous étiez, parce qu'il ne faut pas qu'on s'éternise. Le but n'est pas de. Excuse-moi, ma fille. Le but n'est pas de dire, oh, Katsi, voler, ceci, cela. Le but, c'est qu'elle vous rembourse et vous cherchez une autre université pour vous inscrire. C'est tout simplement ça. Oui. C'est ça le but principal. Parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle ne vous a pas donné le cours et vous n'avez pas eu les cours. Et elle, parce qu'elle a fait un direct, j'ai un peu coupé l'extrait du direct que j'ai essayé de poster sur mon mur. J'ai fait écouter le début, comment elle explique comment les cours sont divisés. Donc, c'est 12 mois. Et juste pour te faire la petite histoire du bout qui m'a intéressé pour dénouer le problème. Donc, c'est 12 mois de cours. Et dans le 12 mois, il y a 10 mois de cours avec peut-être programme, blablabla. Et 2 mois de stage obligatoire. Et après le stage, tu peux aller faire un perfectionnement en atelier gratuit. Tu as 3 mois de perfectionnement. Et si tu finis tes 3 mois de perfectionnement et que tu es bien, on peut t'embaucher. Donc, il y a même une débouchée à l'emploi. Ça, c'est comme ça qu'elle a dit dans le direct. C'est que souvent, on présente les choses, c'est tellement magnifique. Les gens ont l'impression de dire que, mon Dieu, on a trouvé le oui, salut. Maman, je... Oui. Vas-y, oui, mon bébé. Oui, je peux intervenir par rapport à ça. Oui, mon bébé. Ça, déjà, c'est faux. Voilà. Ce qu'elle raconte, c'est faux. Mm-hmm. Lorsque nous sommes arrivés à l'université de la mode, elle nous avait fait comprendre qu'on avait 12 mois de formation. Avant que tu ne t'inscrives, c'est ce qu'on te dit. Ouais. Tu causes avec elle au téléphone, elle te dit, tu as 12 mois de formation et 2 mois de stage, ce qui fait 14 mois. Ok. Mais quand on arrive à l'établissement, on se rend compte que, bon, selon ce qu'elle dit, elle dit 10 mois de formation et 2 mois de stage. Mm-hmm. Maintenant, nous avons commencé la formation. Moi, personnellement, j'ai commencé la formation le 21 novembre à la deuxième section. Mm-hmm. Elle nous a remis un programme où la fin de la formation était en juin. Je ne sais pas si c'est moi qui fais un mauvais décompte, mais même si on se ramène à ces 10 mois de formation, quand je fais ce décompte, ça ne fait pas 10 mois. Ok. C'est 7 mois. Ça ne fait pas 10 mois. Ok. Disons-nous que, parce qu'elle a dit dans son direct que quand vous venez en retard, on vous fait un rattrapage de ce que vous avez perdu. Est-ce que tu as eu une séance de rattrapage? Moi, je n'étais pas en retard. Mais mes camarades qui sont venus en retard, il y a celles qui sont venues même en mars. Il y a celles qui sont venues en mars. Et nous étions obligés, nous avions un professeur compréhensible. Ça fait en sorte qu'elle a pu aider certains à rattraper, mais on ne pouvait pas tout rattraper. On ne pouvait pas rattraper. Donc la rentrée, c'est chaque temps, ma fille. Ouais, maman, c'est comme...
pompiers, on accueillait les étudiants. C'est parce que actuellement, je suis. Puisque je t'ai dit, le direct n'était pas, a été trop rapide. Oui. C'est que j'aurais peut-être parlé d'autres camarades de classe aussi. Parce que quand je parle, on peut prendre un rendez-vous pour ça. On peut prendre un rendez-vous. Oui, on peut prendre un rendez-vous pour ça et vraiment bien. On va attendre parce que ça, c'est l'entrée en matière. Il faut qu'elle comprenne que. Il y a même d'autres étudiants aussi, des oui. anciens. Il y a des étudiants des anciennes promotions aussi qui se plaignent. Mm-hmm. Si vous partez même sur mon live que j'ai fait sur Facebook, vous regardez les commentaires en bas. Et voir les commentaires des étudiantes qui se plaignent que je ne connais même pas les anciens étudiants de dans classe team. Oui, ok. Donc on nous vend le rêve, quoi. C'est comme ça chaque année, en fait. Donc, mmh. est-ce une habitude de le faire? Mmh. Tu vois. Et toi, maintenant, pour ton cas, et peut-être tes quelques 5 amis, des 4 amis que vous êtes ensemble, tu as commencé en novembre. Quand est-ce que tu as arrêté? C'est-à-dire, est-ce que de novembre à... Au moment que tu arrêtes, tu étais quand même satisfaite de ce qu'on te donnait, ça faisait partie du programme, tu as pu, comment je peux dire? Allô? Oui, ma fille, tu as commencé en novembre. Novembre, là, tu as arrêté quand? Toi, tu as arrêté quand pour ton cas particulier? Nous avons arrêté les cours il y a 1 à 2 semaines. Quand elle est venue nous menacer, quand elle a envoyé sa secrétaire nous menacer qu'on doit quitter les locaux de son établissement à la fin du mois de septembre. Ok. Ok. Donc... Ça veut dire que, et les cours, vous avez quand même le contenu que vous avez besoin. Est-ce que vous avez payé les autres tranches ou vous êtes limité? Non. Attends. La fréquence des cours. Les autres tranches. Mais... Ah, vous avez payé les autres tranches? Oui, on a tout payé. On ne lui doit pas d'argent. Wow. On a payé toute notre scolarité, mais on n'a rien reçu. Ok. Ok. Donc, en gros, vous n'avez rien reçu, ça veut dire quoi? 4 modules, mais aucun des 4 modules n'a été fait. Et qui est? Et vous faisiez quoi là-bas chaque temps? Direct. Attends. Maman, comme je t'ai expliqué le matin, si on te donne un programme à suivre, et que ça c'est le cas de modélisme. Oui. Si on te donne un programme à suivre, et qu'on te rajoute des étudiants à chaque moment, est-ce que tu pourras avancer sur ce programme-là? Non. Surtout qu'en rajoutant, on ne fait pas un cours à côté. J'ai toujours d'attendre ceux qui sont arrivés. Oui. En rajoutant, on ne fait pas un cours à côté. On rajoute toujours dans le même cours. Donc, on pourrait faire un cours annexe de rattrapage. Allô, ma fille? Allô? Oui, ma fille. Oui, maman. Donc, je comprends qu'on rajoutait les étudiants tout le temps. Et le professeur gentil, c'était un bon professeur, non? Moi, je t'entends. Allô? Moi, je t'entends très bien. C'était un bon professeur, le professeur, non? Allô, bonjour, madame. Allô, bonjour. Bonjour, ma belle, ça va? Très bien, merci. Comment ça va, reine mère? Ah, très bien, ma chérie, je suis là. Je te suis depuis longtemps, ça me fait plaisir de te suivre. Merci. Franchement, tu es ma soeur camerounaise, je suis de l'Ouest aussi. Enchantée, hein. Enchantée. Ah ouais. Merci. Ouais, ça fait plaisir, ma grande. Franchement, j'apprécie ta façon d'être, ta façon merci. De parler. Et ça me ressemble, en fait. Merci, merci. Ah ouais. Moi, je suis mariée depuis la France. Oh, enchantée, ma chérie. Ouais, je suis dans le nord. Je suis dans le nord de la France. Super, super. Voilà, et quand je suis en ligne et que je vois que vous-même vous êtes là, je dis waouh, la belle dame, elle est là et je vais la suivre. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Comparativement aux autres qui nous orientent sur des pages, je ne sais pas quelle page, on peut nous voir aussi nos gens qu'on suit, quoi. C'est vrai. Tu sais, ma belle, le monde est petit, ouais. hein. Le monde est trop petit. Le monde est trop petit et puis on ne s'aventure pas à suivre n'importe qui parce que sur le méta, on trouve de tout merci, et de rien. Hein. Il faut savoir qui suivre. Franchement, il faut savoir qui merci. Suivre. Et puis quand je tombe sur votre vidéo, je dis waouh, elle est là, je vais écouter ce qu'elle merci. Va dire. Merci. Ouais. Ouais. Vous êtes aux États-Unis non, apparemment. Au Canada, ma chérie, au Canada. Le pays où vous voulez. Ah, au Canada, ok. Ok. Ok, tu vas dire que j'aime ça. Maman, merci. Ah.
On aura l'occasion de se croiser physiquement. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ma belle. Yeah. Ah ouais, c'est ça. Merci beaucoup de ton intervention. Ah ouais. Comment, merci ma chérie? Merci beaucoup de ton intervention. J'essayais de parler avec une jeune fille qui s'était arnaquée dans une école de couture. Ah ouais. Ah oh là là. Qu'est-ce qu'il existe des choses d'ici dehors, hein? Vraiment, on doit vraiment se méfier. Hein? On doit se méfier, franchement. On doit se méfier. Tu me permets de... Donc, tu vas devoir descendre. Oui. Tu permets de reprendre la jeune fille. Oui, on aura l'occasion de parler prochainement. Je te laisse suivre cette dame-là, cette jeune fille. Merci, maman. Allez, et je te souhaite un bon direct. Bisous, bisous, bisous ma belle. Je te souhaite un bon direct. Merci. Oui, ma belle. À plus tard. À plus tard, ma soeur. À plus tard. Bisous. Excuse-moi, ma fille. J'ai une dame qui est rentrée dans le direct tantôt. Ça m'a coupé. Je ne sais pas si elle voulait intervenir ou quoi, mais elle voulait juste m'encourager et me féliciter. Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des gens qui aiment ce qu'on fait, tu vois. Donc, voilà. Et c'est pour ça. Et comme j'ai quand même une éducation et des valeurs, je ne pouvais pas la couper comme ça. Donc, du coup, il fallait quand même que je la laisse s'exprimer. Elle est fière d'être dans le direct et parler avec une personne qu'elle follow et qu'elle aime bien. Voilà. Donc, ma fille, on était rendu à l'étape où on parlait que vous avez tout payé, vos frais de scolarité. Oui. Et vous avez fait, on peut dire, si on compte en gros 10 mois au total dans le... Parce que toi, tu es venu en novembre, donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, ça fait 10 mois. Et toi, quand tu commençais en novembre, on t'a dit que tu faisais... Parce qu'elle a dit que quand elle commence en septembre, si quelqu'un vient en novembre, il fait le rattrapage. Parce qu'on t'a fait le rattrapage de septembre et octobre. Quand toi, tu as... On ne t'a pas fait. Donc, tu es seulement venu et le groupe qui était là, on a recommencé. Voici la nouvelle, blablabla. On t'a encore accueilli. On a aussi fait le début. Donc, tout le temps, vous étiez... Moi, quand j'arrive, les rentrées de classe sont divisées en deux sections, selon ce qu'elles disent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Sont en deux sections. Tout à fait. Il y a la rentrée d'août et la rentrée de novembre. Donc, quand nous sommes arrivés, la rentrée d'août, ils avaient déjà commencé. Mais là, nous, de novembre, nous étions une nouvelle rentrée. Ça veut dire qu'on devait avoir notre stade de classe, nos professeurs et tout. Donc, nous avons rien à voir avec les autres filles. Donc nous sommes venus, nous avons commencé en novice. Mais on a rencontré beaucoup de difficultés, comme dans les... Il était dit qu'on devait nous former en quatre modules. En stylisme, par exemple, on s'est retrouvé à faire un tronc commun avec les filles toutes. Ok. Pourtant, elles avaient déjà commencé avant et nous venions en novembre. Elles font cours de stylisme chaque vendredi. Maman, regarde toi-même. Tout à novembre, chaque vendredi, on a raté combien de cours? C'est ça. Madame Clark nous a mis en tronc commun avec eux. Quand on a voulu parler, on nous a fait comprendre que c'est comme ça ici, la personne qui ne veut pas parler. Hey. On a serré le cœur. Parce que moi, personnellement, j'ai serré le cœur. Je voyais, il y a mes 475 000 que j'avais versé dans le compte de Madame Clark Steen. Parce que moi, avant de poser mon pied à cette université, j'avais déjà versé 475 000. Il faut rappeler que moi, je ne suis même pas de la ville de Yaoundé. Je viens sur Yaoundé seulement pour faire cette formation. Wow! Quand j'arrive là-bas, elle nous met, nous sommes là, nous sommes déjà là. Ça veut dire que tu es là, tu constates seulement. On te fait constater. Devant le fait accompli. Nous sommes devant le fait accompli, justement. Quand elle nous dit ça, je me dis, j'ai déjà versé. Tout ça, elle ne racontait même pas chez nous. Hein. C'est grâce à la cuisse du mois qu'elle était obligée de parler. Quand j'arrive en stylisme, nous n'avions pas le choix, en fait. On nous a mis en tronc commun avec les filles d'autres. Quand nous arrivons là-bas, on se rend compte que les filles sont déjà bien avancées. Nous sommes en arrière. On demande au professeur, madame, est-ce qu'on pourra tenir le programme? Le professeur nous dit, ah, elle va essayer. En ce temps, elle est coincée parce qu'il y a deux vagues. Nous sommes dans la même salle. C'est pas possible. Ça veut dire qu'elle ne peut pas faire deux cours au même moment. Elle est obligée de survoler. Elle survole jusque-là. Sans savoir que Madame Clastin avait fait un contrat avec elle tel que elle devait arrêter le stylisme avec nous
Au même moment où elle va arrêter, elle avait les filles toutes. Mm-hmm. Ça veut clairement dit que nous, en fait, nous, on n'a pas eu de professeur de stylisme. Mm-hmm. On nous a ajouté comme si on appartenait exactement à la vague. Tout le temps, ce n'était pas le cas. C'est ça, parce que août de l'année, on parle de août 2022, or que vous êtes en novembre. On parle de août 2021, or que vous êtes en novembre 2022. Non. Août 2022. Et vous êtes en novembre ou quoi? 2022. OK. Donc août 2022, vous êtes en novembre 2022. Donc ça veut dire que oui. Septembre, octobre, non. Dans 3 mois, les filles ont commencé 3 mois avant vous. Voilà. Mais vous n'avez pas eu de session de rattrapage. Chaque vendredi, donc chaque semaine. Donc ça faisait comme déjà 12 vendredis en gros que vous avez raté. Voilà. Mais les 12 vendredis, et les 12 vendredis, vous avez souvent continué dans les autres vendredis sans qu'on revienne en arrière sur les 12 vendredis. Justement. Et vous n'avez pas prolongé de telle sorte que pour qu'on puisse rattraper, comme les filles d'autres ont eu leur programme, nous aussi on devait avoir notre programme. Ça n'a pas été le cas. Donc, en fait, je pense que le problème se trouve au niveau de Clapstil et son professeur. Ça veut dire qu'elle doit un peu augmenter le salaire de son professeur pour qu'il fasse des rattrapages et des overtime. Pour la simple et bonne raison que le professeur se comporte comme s'il a commencé en août. Ceux-ci prennent le train en marche et on continue seulement. Or que la façon qu'elle a fait dans la vidéo que je viens de poster, qu'elle parlait, c'est que quand vous venez en août, si vous commencez en septembre, ceux qui viennent en novembre, on leur fait un rattrapage et c'est ce qu'ils n'ont pas eu. Or que vous n'avez pas eu ce rattrapage. Okay. Toutes les informations qu'elle donne mm-hmm. sont erronées. Parfait. Elle a toujours dit, si vous avez suivi son live, elle a fait comprendre qu'elle donne les cours de marche. Elle donne les cours de bienséance. Depuis que je suis entrée chez Clapstil, je n'ai jamais eu ce cours. Tu vois. Et tu as fait 10 mois. Je n'ai jamais eu ce cours. J'ai même demandé aux autres filles, elles m'ont fait comprendre, les filles, elles m'ont fait comprendre qu'il n'y a jamais eu ce cours chez Clapstil. Ah! Oh, pas Lilo. Donc, elle vend quelque chose qui a l'air cool là, mais elle n'a pas les professeurs pour dispenser ça. Yeah. Elle peut même prendre les professeurs qui font des cours en visioconférence. Hein? Y'a nous, mais là. Donc, en gros, tu as fait 10 mois, mais dans 10 mois, si on veut parler en termes d'heures de cours ou en termes de contenu, tu as passé dans les modules qu'on vous a proposés, tu as passé à travers maman, combien de modules? Maman, oui. Je ma formation parce que déjà de base quand tu viens on te demande 25 000 pour le matériel que j'ai reçu là c'est la blouse et la canette, une machine qui est vieille parce que la machine a me tapé sur les nerfs, une machine quand tu viens aujourd'hui ça donne, demain ça ne donne pas, ah. après demain ça ne donne pas, ah. ce que je faisais c'était quoi, vu que moi comme je venais de Douala, quand je suis arrivée j'ai eu la chance de trouver une chambre qui est non loin de l'établissement. Je partais faire des cours écrits à l'école. Ma pratique, je faisais à la maison quand j'étais bloquée et je partais voir le professeur à l'école. Waouh! C'est comme ça que je fonctionnais. Ok. Les autres camarades souffraient. Les machines ne fonctionnent pas. Le technicien est parti. Je préfère ne pas donner les raisons du technicien parce que moi, quand ma machine s'était gâtée, moi, j'étais retournée voir le technicien pour qu'il me répare ma machine de la maison ici. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses et j'étais classée. Ok. Ouais, que ma fille, ça c'est compliqué parce que en termes de contenu de cours, parce qu'il faut pas qu'on dise, on discute sur quelque chose que oui. Le professeur vous a donné des cours pendant 10 mois. Oui. Mais dans les cours, sur les 4 modules, je crois que quand tu commençais, tu avais 4 modules, tu as quand même fait un plein de 4. Oui. On exclut les rattrapages, on enlève les 8 premières semaines, oui. Par exemple, du stylisme que tu as dit ou je ne sais plus quoi. Donc, les rattrapages, les 12 premières semaines de rattrapage, laissons ça de côté. Prenons de novembre à juin qu'on vous chasse là, de 10 mois qu'on vous chasse là. En termes de cours, si tu fais le tour en gros, tu as quand même passé à travers, bon, tu n'as pas fait le module de la marche, ou c'est la marche, ou c'est la, que tu as appelé ça quoi là. Tu n'as pas fait ce module-là. Mais les autres modules, qu'est-ce qui a été dispensé comme cours? Et au niveau de l'habit, tu peux coudre, tu ne peux pas coudre, je ne sais pas. Maman, je ne peux pas coudre parce que je ne peux pas coudre normalement parce que de base, on nous mettait déjà tellement de pression. Okay. Ça veut dire, on vous met la pression sur les vêtements. Il n'y a pas de machine. Nous avons fait
je peux compter parce que tous les coups là sont dans ma tête. Mmh. Quand je suis arrivée, nous avons fait les jupes. Mmh. On a fait trois jupes. Nous avons fait les pantalons. Mmh. Nous avons fait les vestes. Nous avons fait les robes. Nous avons fait robes de soirée. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, le coup théorique, ça c'est la pratique. Donc, tu es arrivé, tu savais que tu avais une partie de théorie avant d'être dans la pratique, mais tu t'es trouvé seulement dans les pratiques, en fait. Tu savais que tu devais avoir une cour théorique avant d'avoir la pratique, mais tu t'es trouvé seulement dans les pratiques, c'est-à-dire les jupes, les pantalons, les vestes. C'est les jupes des clients ou c'est les jupes pour mettre sur les mannequins? Ce sont nos jupes à nous. Ça veut dire que tu achètes ton matériel à toi. Tu cours mesure, tu cours sur toi-même. Le professeur corrige. Ah, d'accord. Mais là, nous sommes en train de parler d'un module, parce que ce cours-là dont tu parles là, c'est un seul module qui englobe tout ce que tu entends de dire là. Mmh. C'est modélisme. Mmh. C'est un seul module, modélisme. Donc, tu as fait les 10 mois à faire un seul module. Un seul module. Et on t'a parlé de 4, de 3 autres modules que tu n'as même pas vu passer. On a parlé de 3 autres modules que je n'ai pas fait. Et en plus, le module de modélisme n'a pas été achevé. Oui, parce que tu as commencé toujours au milieu. Ça veut dire que tu as commencé en novembre. Donc, tu as perdu 12 semaines. Le programme même qu'on a remis, on a tenté le programme la même 4 fois. Ah! Classique. La dernière fois qu'elle a changé le programme, j'ai essayé de me renseigner. On m'a fait comprendre qu'en début d'année, on a changé notre programme. Vu que les victimes, elles avaient commencé par les tabacs, les trucs comme ça, les trucs basiques. Mais nous, quand nous sommes arrivés, on nous a pompés une fois. On arrive, on commence par les jupes. Après, ce sont les pantalons. Après, on tombe sur les chemises. Après, tout ça, en fait, c'est un atelier de modélisme qui fait croire qu'elle fait aussi ce qui est au trou de la mode, mais qui ne le fait pas. Ça veut dire que ce n'est pas l'université de la mode, c'est l'école maternelle de la mode. Voilà. Sans compter le fait que maman n'a oublié, sans compter le fait qu'elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer un DQP. Et c'est la même information que tous mes camarades ont. Et ce DQP-là, elle ne le donne pas. Elle n'a pas la capacité de vous le donner. Ah. Donc, ton truc n'est même pas reconnu. Donc, tout ce que tu as fait là, c'est perte de temps. Agent dans l'eau. Elle, ce qu'elle donne, c'est le CQP. C'est pas pareil. Le DQP et le CQP, c'est deux. Le DQP, c'est un diplôme. Le CQP, c'est un certificat. C'est différent. Le certificat, c'est un peu comme lorsque tu sors avec un certificat, tu pourras être employé par une entreprise qui reconnaît l'entreprise dans laquelle tu t'es formé. D'accord. Le diplôme, c'est universel parce que c'est l'État qui te le donne. Ok. Bon. En grosso modo, tu as une dette de 3 modules avec elle. Oui. 4 modules, maman, parce que mon modélisme n'a pas été achevé. Ok. Donc, on va se dire qu'il reste peut-être 2 mois sur modélisme. On va dire ça comme ça. Et le reste, c'est tous les 10 mois complétés. C'est terrible. Oui, on ne peut même pas couper la poire. On doit couper. Les 2 mois qui restent sur modélisme, là, c'est pour moi, hein. C'est ta maman qui a des gens qui sont venus en mars, en février. Et qui sont toujours entrés dans le même bateau que vous et qui n'ont pas fini rien. Et que c'est fini, on les a dit quitter. Le jour qu'on vous dit de quitter, eux aussi, ils quittent. On leur demande de participer aussi. Oh, forme ça, tu que pour maman. Hein, maman? Mm-hmm. Ah, bamdo. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce-t-il? Ma chérie, la beauté, la sexy madame, belle tenue. Université de la mode, devenue école maternelle de la mode. Maman, tu peux faire ça? Tu fais ça comment? Non. Facile. Ce n'est pas une affaire de remboursement. Acceptons que tu as toutes ces formations. On te donne ça. Refais une session à ces enfants. Disons que l'argent est à partir. Parce qu'on se sent que quand l'argent est dans une compagnie, ça part. Fais-les les quatre autres modules. Et puis tu les fais finir le 2 mois des jupes, des pantalons, des vestes, de modélisme. Parce qu'elle n'a pas appris à marcher. Tu voulais marcher sur les talons. Maman, et le diplôme qu'elle nous a menti qu'elle allait nous donner, elle va faire vraiment pour nous donner ça. Yeah. Donc, tu as cuit mon hypocrite.
Tu prends l'argent aux enfants, tu es sur Facebook. Oui, les robes. Maman, j'ai mis la vidéo. Hein. On a écouté au début comment tu nous expliques comment l'université de l'amour. Je t'annonce que tu es à l'école maternelle de l'amour. Ce n'est pas une injure. Hein. C'est la vérité. Parce que ce que j'entends là, je ne sais pas si mes oreilles, je ne sais pas. C'est l'école maternelle de l'amour, ma chérie. Alors travaille pour que ça devienne une université et donne le diplôme de l'État pour ça. C'est l'école maternelle de la mode qui aboutit dans ton atelier à toi-même. Parce que tu as dit que quand on finit, on recrute les gens. Donc, ce certificat ne les amène nulle part. Sauf que peut-être tes amis. Je vais aussi aller dans ce cas. Hein. Oui. Quand on finit, on recrute les gens. Est-ce que vous vous rendez compte que dans les ateliers de classe, il n'y a pas d'anciens étudiants de classe? Hein? On recrute dans les guilles. Les guilles sont dans tous les anciens. Tous les étudiants qui sont passés là-bas sont mauvais. Hein? Je vais vous poser la question. Appelle aux étudiants de classe style. Nous attendons qu'elle nous fascine. Je sais qu'elle a la grosse tête, elle s'en fout. Quand on fait, elle s'en fout. Beaucoup de gens se plaignent des vêtements mal faits. Je ne fais pas le commencement, ma fille, c'est la vérité. Même dans mon WhatsApp, j'ai les plaintes, mais j'ai tout glissé sur ça. Les plaintes depuis des années. La plainte que je vous ai montrée tout à l'heure de mon ami, ce n'est pas une personne que je ne connais pas. Mon ami, je vous dis la date qu'elle s'était plainte. Depuis combien d'années? Elle est même venue au Canada cet été. Quand moi, j'étais en France, mon amie là, tu comprends, ma fille, elle s'est plainte. C'était en octobre 2021. Nous sommes en 2023. Nous sommes en train d'aller. C'était le 8 octobre 2021 qu'elle me mettait tous les avis bizarres. Que clap ça coupé comme ça. Où elle donne à l'université de la mode pour les élèves qui n'ont pas le tissu. Parce que tu as dit que c'est vos tissus que vous posez dessus. Vous gâtez, c'est votre problème. Vous ne gâtez pas. Donc, quand elle dit, elle venait à l'université, elle dit que bon, tu n'as pas le tissu, ma fille. Prends ce tissu-ci, on yon sur les habits des gens, on yon. Ça donne quelque chose qui est coupé par les élèves que, oh, à l'école maternelle. Maman, mais ma fille, ça c'est une grosse affaire. Maintenant, tu m'as dit que tu as parlé aux... Parce que moi, je ne sais pas pourquoi tu es venue me voir. Je suis la mère des maigres vues. Je ne peux pas te propulser jusqu'à ce que tu arrives là-bas en haut. Parce que moi, on m'insulte toujours. Toi, tu viens parler à une mère qui n'a pas les vues. Comment, maman? Tu as parlé au qui avant que ça n'a pas... parce que tu t'es dit qu'elle a payé peut-être les gens, mais je ne crois pas qu'elle a payé les gens. C'est l'idée qu'on se donne, parce que quand on est incomprise, on pense que les gens... Mais tu as parlé à qui, ma? Des gros calibres de Facebook. Nous avons écrit au Grand Jumento. Le Grand Jumento, il n'a pas marqué la vue. Il n'a pas marqué la vue. Je me dis peut-être qu'il n'a pas lu. On me disait tout à l'heure qu'il est en direct, que je ne dois même pas faire mon direct. C'était un problème qui avait déjà été sur sa table. Pour lui, il avait déjà résolu le problème. Peut-être. C'est peut-être la raison pour laquelle il a résolu le problème. Peut-être, parce que c'est fatigant et c'est redondant. Tu vous voyez dans le patron, oui. On a écrit au grand patron, ce qu'on me demande même de fermer ma caméra pour eux. Continue, les autres, c'est qui, ma? Nous avons écrit aussi à Papa Zorzois. Les bleus, gros noms. Les gens que qu'on prononce leur nom. Il a dit qu'il va il a fait une publication, mais jusqu'aujourd'hui, ça fait il y a plus d'une semaine même. On attend. Il n'a pas encore lu. Il est très occupé. Il est très occupé. Continue, ma fille. Oui. Nous avons parlé à Aïcha Kamoir. Le propriétaire de tous les dossiers. Tata Aïcha Kamoir nous a dit qu'on connaît que c'est comme ça là-bas. Pourquoi on ne quitte pas? Elle nous a demandé de quitter là-bas. Voilà, votre argent va dans l'eau et vos manques de formation, pas de certificat, pas de diplôme, pas de rien. Quittez. Bon, Kaïcha, celle qui a une histoire tatouée sur la toile, elle a le droit, le devoir et l'obligation de parler. Toi, tu as fait un direct. Quand il a fait un direct, il y a déjà ça sur la toile. C'est pas une affaire qu'on sort du carton, on vient trouver les gens avec. Elle n'a pas parlé. Vous avez parlé encore à qui, mon bébé? J'ai écrit à Tata, l'étoile Tridienne aussi. La chasse. C'est qui chasse les démons en pleine journée. Elle n'a pas lu. Elle n'a pas encore lu. J'ai écrit encore à qui. Maman, attends, je cherche. Et moi, pourquoi tu es venue sur moi, mon bébé? Pardon, maman. Comment tu as fait pour atterrir sur moi? J'ai les maigres vues. Hein. Moi, on m'insulte. Je ne dois même pas me connecter quand c'est le moment de me connecter. Tu viens faire quoi? J'ai écrit à La propriétaire de tous les dossiers. Elle a laissé. Elle aussi, elle n'a pas lu. Ils n'ont pas lu. Leur inbox, ils n'ont pas lu. Ouais, ma fille, donc tu te sentais. Comment tu te sens? Comment tu t'es sentie après avoir côtoyé les grandes têtes géantes? La maman des beaux gosses, ouais, est un peu mon niveau. J'étais vraiment déçue dans le sens. Parce que quand je parle du problème avec
à mes amis, ils me disent, j'aurais l'aise, parce que ta tête peut partir dans ça, on peut même te tuer. Nous sommes au Cameroun. Le Cameroun, c'est pas un pays où il y a les droits. Le Cameroun, c'est un pays où c'est celui qui a le plus d'argent qui domine. Yeah. Et du coup, quand j'ai écrit à tous ces gens-là, personne n'a réagi. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Je vis où? Je vis où? J'avais l'impression d'être abandonnée en moi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je me dis, on se dit à ces blogueurs-là, ça veut dire lorsqu'on a un problème, on les suit. De temps en temps, on part, on like les vidéos, on partage les vidéos parce qu'on se dit, ce sont ceux-là qui nous aident à porter nos problèmes réellement parce qu'on a eu la chance d'avoir développé l'Internet. Ah, maman, peut-être il faut payer aussi. Hein. Peut-être il faut payer. Abandonné à nous-mêmes, c'était vraiment décevant. Vraiment décevant. Oh, désolée, ma fille. Et moi, tu m'as écrit quand? Parce qu'il faut leur dire. Peut-être quoi que je te connais. Je t'ai écrit même pas le canal de ma tata. Hein. Quelle tata? Hé, hey, c'est ma fan. C'est maigre vue. Ma tata, elle dit, là, je peux faire ça. Oui, ne donne pas son nom. C'est la crème, c'est l'élite. Sûrement, elle connaît les gens de la présidence, c'est les bien gens. Tata, dis-moi ma fille. Tata, elle est hors du pays. Quand je l'ai appelée, quand je l'ai appelée pour lui expliquer la situation, parce que c'est quand je n'avais pas expliqué aux membres de ma famille réellement ce que je vivais. Oui. Quand j'ai appelé ma tata pour lui exposer le problème, elle m'a écouté, elle a demandé aussi les liens, comme je t'ai envoyé là. Mm-hmm. Elle a écouté et maintenant, elle s'est rapprochée aussi de ses amis qui lui ont dit, qui ont encore donné le nom de trois personnes. Il y avait le grand Jumento, il y avait ma maman des beaux gosses et il y avait le tien. Elle m'a demandé si je peux tout faire pour... Elle m'a demandé de tout faire pour pouvoir entrer en contact avec vous parce que vous êtes aussi le seul qui dénonce beaucoup les mots sur les réseaux sociaux. Ah, bando. Je salue ma tata là. Je suis retrouvée à vous écrire. Oui, parce que je suis un peu le niveau de la maman de Bogos, les Tambrakata, qu'on a les maigres vues. Maman, ouais, ma fille, c'est ça que je vois que tu m'as écrit, c'était vendredi. Aujourd'hui, on est dimanche. Donc, j'ai vu ton message, oui, dans la soirée d'hier, vers 23h quelque chose. Parce que souvent, au hasard, pour aller trouver les messages, souvent, on est très occupé. Et 23h quelque chose, tu m'as écrit à 4h du matin de Cameroun, de vendredi. Moi, à 23h quelque chose, hier, samedi, que j'ai vu. Et là, tu m'as réécrit maintenant à 2h, parce que t'es en train de travailler. Et là, c'est comme ça que j'étais appelée, parce qu'on a parlé à l'heure que je suis supposée dormir. Et j'ai pris ça, ma tête à fin, genre, ça a mélangé avec tout ce que mes amis se plaignent depuis 2021. Il y a aussi une autre dame qui est quelque part ici au Canada, dans une province, qui s'était plaint son mari. Après, il devait aller récupérer. Quand il a donné une partie, je lui avais dit, appelle son mari. Je suis pas allée sur Facebook. Quelque chose qu'on t'appelle au quartier, tu gères au quartier. Mais quelque chose qu'il y a sur Facebook, oui. Tu gères sur Facebook. Parce que vous avez fait des directs, il y a pour toi, il y a pour Claude. Je ne vais pas venir raconter, créer encore quelque chose. Tu vois, non, ma fille? Oui. Prends ton mal en patience. Nous sommes en train de demander à Claude Steele d'essayer de revoir votre cas. Si elle n'a pas peut-être d'enseignant, qu'elle recrute ou elle lance l'appel aux enseignants pour pouvoir finir les trois modules qui manquent et les quelques mois de modélisme. Parce que peut-être tu as cousu. Qu'est-ce que tu n'as pas encore cousu, ma fille? Tu as des affaires au Gandoura. Je n'ai pas fait de robe de mariée. Eh, Cassie, vous formez vous 400 combien de mille? De combinaison. Ah, jump suit. Cassie, ne tu ouvres. Je n'ai pas fait les gandoura pour femmes là. Ah, mon truc là. Cassie, quand vous êtes bon que c'est tes enfants, tu peux les accoucher. Reprends tout ce que tu vas faire avec la. Tu dis que c'est la session qui t'a. Parce qu'elle a dit dans son direct que vous êtes la groupe. Le groupe lui avait donné beaucoup de problèmes. Parce que vous voulez savoir. Quand quelque chose est abstrait, tu ne comprends pas, tu poses les questions. Quand tu poses les questions, tout ce que tu déranges. C'est quoi le projet? La personne veut savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait, on est rendu où. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je venais en direct, ma fille. Vraiment. Et tes amis. Tu vas leur dire que tu es venu parler à la reine Mère Bio par le biais de ta tante que je salue beaucoup et que je félicite. La tante, merci, il faut toujours me partager aux maigres vues. Et ta tante t'a dit, tu m'as parlé et ça m'a dérangé parce que moi j'ai une fille de 24 ans qui va avoir 24 ans le 6 octobre dans quelques semaines. Je ne veux pas que quelque chose dérange sa tête. Donc quand on dérange la tête d'un enfant, je dis que voilà mon enfant là-bas. C'est quoi ça? On ne fait pas ça. Quand tu es ici au Canada, dans le pays où coule le lait et le miel, elle s'assoit, elle pilote un projet à 500 000 presque au Cameroun et elle frappe les enfants. Il faut arrêter ça. Si tu as combien d'inscrits? C'est plus de 500 000. C'est combien de 1 000, maman?
Parce que si quelqu'un est ami. Ce qui dérange même le plus. Oui. Ce qui dérange même le plus, c'est que maman, pour moi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle nous a envoyé l'information de la secrétaire qui avait venue nous dire récemment qu'on doit libérer l'établissement en fin septembre. Bon. Nous ne nous sommes pas levés directement pour venir sur les réseaux sociaux parce que je vois les commentaires des gens qui disent qu'il faut chercher la deuxième version là. Nous sommes allés au secrétariat de Mme Claptine. Nous sommes arrivés là-bas, on a demandé un arrangement à l'amiable. Ah. On a demandé qu'on nous laisse finir nos cours normalement et quitter son établissement. Elle a refusé. Caillou noir. Lorsque j'ai fait la première sortie sur ma page, elle a appelé certaines personnes pour dire qu'elle n'était pas au courant quand nous avait demandé de libérer. Pourtant, la secrétaire avait parlé avec Mme Clastine devant nous. Donc, Abu Canada a dit qu'un pilote escroquerie bon que. Donc, que money, que de libérer. Eh Dieu, on peut faire ça? Une grande. De belle dame, maman, attends, belle madame avec son mari, beaucoup plein, comme vous le voyez là, toujours bien mise, Clarcine, c'est malheureux. Voilà la jeunesse, une jeune fille de 22 ans qui ne dit pas qu'elle va vendre le piment, elle ne dit pas qu'elle va aller au quartier voler, elle veut faire un métier, elle va avoir quelque chose. Tu viens l'escroquer comme ça. Ton agent, tu as dit que c'était ta famille qui a payé ou la belle famille, mon bébé. La belle famille, là, c'est une autre camarade, celle qui a commencé à en parler. Voilà. Maman, c'est mon agent. Ça veut dire c'est mon agent. Et il y a certaines personnes qui ont soutenu aussi ma tante. Vous savez, vous pouvez avoir les aides de part et d'autre. Exactement. C'est mon agent déjà. Maman. Mon agent. Maman. J'ai pris la responsabilité de quitter la ville de Douala. Monter sur Yaoundé pour faire cette formation avec mon agent. Ah, j'ai ouais. convaincu ma famille. Il y a d'autres personnes qui ont mis la main. En sachant que, ouais, on se libère même de celle-là. Qu'elle apprenne quelque chose. Comme ça, nous, on sera un peu tranquille. Voilà cet argent-là qui va aller. C'est ça. Ah ouais. Et lorsque ça arrive, elle se permet de dire que moi, je suis une bordelle. Moi, je ne comprends pas. Nadine, quelqu'un me demande pourquoi je vais savoir à qui elle a écrit. Tout le monde. Pourquoi je vais savoir? L'enfant m'a parlé la nuit, elle a dit qu'elle a écrit aux gens. Moi, je suis qui? Je suis derrière. Vous m'insultez tous les jours, je dis que je ne suis rien. Alors, je demande. Alors que les gros crayons, les longs gens là-bas, en haut, que quand ils se connaissent, vous êtes 3000 là-bas. Vous partagez là-bas jusqu'à ce que vous partagez même vos intestins. C'est eux que je parle. Moi qui? Avant qu'ils demandent que toi, tu viens chez moi, elle a dit que c'est une crème, donc c'est une élite. C'est une personne qui suit les bien choses, qui m'a pensé. C'est que l'enfant ne connaît, mais tu ne connais pas mon mur, tu peux connaître ma fille. Non, maman, je pas. Voilà. Donc, il faut vous calmer. Arrêtez vos conneries. Je peux te bloquer comme l'amusement. Voilà. Quelqu'un demande. Si tu as écrit Ngoyi, tu connais Ngoyi, mon bébé? Elle ne connaît pas. C'est la jeunesse. Ils ne sont pas dans les pépettes. Bravo. Pardon, on a commencé avec plaisir avant. Ouais, mon bébé, donc ce que je vais te dire, ça, je vais être vraiment honnête avec toi. Prenez votre mal en patience. On a déjà dit, comme on a dit à Clap, je ne sais pas. Dans une semaine ou dans quelques jours, rappelez encore le secrétaire, dit que vous n'êtes toujours pas satisfaite et ce qu'on vous a promis, et si, et ça, et si. Parce que dans le Cameroun qu'on a, il y a les camarades qui sont partis là-bas à l'établissement, on les a chassés. Soit dedans que quand nous sommes partis sur les réseaux sociaux, on devait nous voir à l'établissement. Hein? Mais vous ne partez pas sur les réseaux sociaux que vous allez vous plaindre où? Hein? Clapstil, pardon, la couturière intermondiale qui court tout là. Maman? Le problème, c'est que quand ça sort déjà sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui vont parler parce qu'elle a tellement. Elle a tellement fait, il y a tellement de promotions qui se plaignent. Les gens m'écrivent, ils boxent. On va programmer un direct. Les gens qui arrivent dans mon inbox, que si elles te portent même plainte, appelle-nous, on va les témoigner. On va programmer un direct dévastateur qui va faire que les autres vont seulement téléphoner. Chacun va dire sa part d'expérience, comment il a fini à l'école, à la maternelle de la mode. Parce qu'on dit que université, mon œil, maternelle de la mode. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Quand le professeur donne un cours, un plan de cours, il doit le respecter. Si tu n'as pas payé tes professeurs comme il faut et que les enfants de tuy viennent se faire, je ne sais pas moi, tourne en rond. Parce que ça, c'est faire tourner quelqu'un 10 mois dans une vie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est ça. Ma fille, tu as dit que tu t'appelles comment? Jorel.
Jorel. Oui. Ah, ok. Jorel. Ok, ma chérie. Alors, je pense que je vais te laisser. Je vais essayer d'aller lire les commentaires des gens, essayer de répondre ce que je veux. Et on va voir. On va essayer. Comme j'ai ton WhatsApp, tu vas essayer de me rappeler après. On va voir s'il y a quelque chose. Je sais qu'il n'y aura rien qui va se faire parce que tu n'es pas la seule. Les gens se plaignent même des vêtements et tout, et tout, et tout, beaucoup de choses. Elles s'en foutent. Tu vois, non? Oui, maman. Elle ne gère rien. Elle ne gère. C'est que le tissu. Enfin, elle te donne. Tu commandes un truc comme mon ami là. Elle te donne un top tissu. Un top tissu. Quand tu regardes la porte, tu dis que rabat. Et tu as payé tellement d'argent. Ces prix sont beaucoup. Hein, les 400, les 500. Tu restes comme ça. Tu dis que la fille, c'est que tu es venue voir avec moi. Maman. Donc, c'est ça. Tu vois les photos. Quand elle met les photos des amis, c'est joli. Tu vois aussi ça. C'est dans les rêves. Fais très attention. Sur les réseaux, tout ce qu'on Maman, je met vais là. dire un petit mot avant de passer. Oui, mon Je te bébé. remercie vraiment parce que là, tu as réagi vraiment. Tu as eu la réaction que j'attendais. La Oui. réaction d'une maman. La réaction d'une maman qui se place, qui se met à la place de nos parents. Et lorsque je t'ai écrit et que tu as vu, tu n'as pas hésité à réagir parce que l'histoire est vraiment touchante en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Amen, mon Et bébé. par rapport à la solution, je pense que demander à Madame Claps de nous faire une nouvelle session, c'est pas possible parce que déjà le député qu'elle m'a promis, elle ne peut pas me le donner. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois faire une autre section avec elle si elle ne peut pas me donner mon diplôme. C'est ça. Tu peux aussi accepter de prendre le diplôme quand il te manque trois cours à compléter. Trois modules. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Donc, Et on t'a Monsieur seulement. Cupé ne me sert pas. Monsieur Oui. Cupé ne me sert à rien. Moi, quand je quittais le droit là, c'est comme je t'ai dit au début, moi j'avais déjà fait une université de mode. Bye-les. Voilà, j'ai un BTS en design de mode. Oui. Ça veut dire, en venant chez Madame Claps, je savais que je suis en train de venir prendre la pratique de la mode. Et les Et si cette titres sont. personne-là, elle ne peut pas me donner, qu'elle me rembourse mon argent Oui, les surtout. différents titres de modules sont alléchants. Tu as le goût de découvrir. Tu es prêt, tu as tes cahiers. Tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va apprendre dans la marche? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans le. Les différents titres, tu es contente. Parce que tu te dis, mon Dieu, je vais avoir du. Je vais sortir d'ici avec un truc plein. Mais hélas. Claire, si tu Oui. entends le cri de cet enfant qui pète ton enfant, est-ce que tu as encore un cœur? Je ne sais pas. Franchement, ça me désole. Quand je te vois là, tu es une très belle madame, mais c'est comme ça que j'entends. Tu m'as dit que tu parlais un truc, elle t'a raboué, elle t'a donné un mot, quoi, là. J'ai dit ça au début de Oui, la. par rapport à Oui, lorsqu'elle dis. vous avait donné la liste de prise de contact, là, Oui, tu m'as dit ça la j'avais nuit. coché certains points sur la fiche et je me suis dit, comme elle a dit que les critiques sont les bienvenues pour améliorer la Maïmoté. formation, je lui ai Tu as posé plus la question ton. de savoir, Ok. parce qu'elle avait Couscous. demandé la tribu Non. là-bas. Pourquoi? Pas besoin. Je ne sais pas, Ah, mais ok. c'est ce que je voulais savoir. Je lui ai demandé, mais madame, la tribu dans un centre de formation, c'est quoi l'objet? Ouais. Elle m'a dit, tu me fiches le camp, tu n'es pas obligé de répondre. Si tu ne veux pas répondre, tu laisses. Ah, dans Moi, le ça m'a dérangé questionnaire, en fait. quand je n'ai plus parlé. Non, dans le questionnaire, la tribu, je pense que ça peut aussi être du genre à mieux connaître quel est le style vestimentaire aussi des gens, tu vois. Parce que mine de rien, on s'identifie à nos communautés, nos tribus. Même ici au Canada, le pays où coule le lait et le miel, on parle en termes de minorités visibles, en termes d'immigrants, en termes de tribus. Ça ne fait pas partie. C'est pas comme si c'est pour savoir si je prends plus au dossier, parce que je ne pense pas. Je pense que la tribu, dans les questionnaires, non, ma fille, c'est dans les questionnaires qu'il faut cocher ça, non. Mais maman, dans ce sens-là, elle aurait pu m'expliquer, non? Oui, Pourquoi c'est ça me vrai. Non, il y fiche? a un côté, elle a un Pourquoi ça côté un peu indigène quand même, il faut le dire. Claire, si ce n'est pas une injure, tu raboues beaucoup les gens, ma chérie. Elle a un côté comme ça, elle est souvent comme. C'est ça, on dit que vraiment l'éducation, les valeurs, c'est important de savoir comment communiquer, comment. C'est ça, c'est un cours de ressources humaines qu'il lui faut. Il faut quelque chose pour aller, n'est-ce pas, être vraiment mieux, je ne sais pas. Franchement, ce n'est pas une injure, hein. Tu prends ça comme tu veux, j'en ai rien à foutre, moi. Je dis ce qui est, hein, ma chérie, franchement. Avec vraiment tout mon cœur, quoi. Ouais, tu m'avais dit ça, qu'elle t'a Maman, moi dit. aussi, j'ai pris la peine de parler. Je me suis dit, bon, moi, quand j'ai vu tribu, directement en bas, je me suis dit, bon, j'ai la fiche, maman. Je ne sais pas pourquoi je parle anglais. J'ai la fiche ici avec moi. Je pourrais te la lire. Voilà, voici les points que j'ai cochés ici. Sur la fiche, elle demande, quels sont vos bilans de cours?
Vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes de quelle tribu? Ça me tique un peu dans la tête. Je me dis, mais pourquoi la tribu? C'est important. Tu sais que c'est des personnes pour tout événement, pour toute entreprise ou toute société ou je ne sais pas comment expliquer, organisation. Ils ont des bonnes raisons de poser un certain genre de questions. C'est pour ça que je te dis que je t'ai répondu tout d'un coup. Tu peux dire, par exemple, moi je fais Meet and Love, rencontre et amour, j'ai des questions du genre pays d'origine que vous voulez que votre conjoint soit, qu'il arrive, c'est quel pays, tu veux un homme dans ta vie, tu veux qu'il vienne de quel pays. J'ai des gens qui me disent Cameroun, j'ai des gens qui me disent Europe, un noir, d'autres me disent que Europe mais un blanc, ou bien Amérique, États-Unis, Canada, c'est des choses... C'est des questionnaires. Quelqu'un va se dire pourquoi elle demande ça. Mais parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de précision, de savoir comment on va travailler avec eux. Ouais. Moi, je peux dire que sur ça, je ne peux pas comme m'arrêter pour dire que ça fait d'elle une. Tu vois un peu, non? Mais qui a encore plus attiré? Parce que quand je dis privé en haut, maman, ça attire mon attention. Mais oui. En bas, c'est ce qui est écrit en bas, hein, qui me fait penser que ce qui est au-dessus, en fait, c'est ce que je pense. Parce qu'en bas, elle dit, selon votre personnalité et votre statut, désirez-vous un traitement particulier? Désirez-vous être traité au même pied d'égalité que les autres? Point d'interrogation. Moi, je trouve ça bizarre parce que dans un centre de formation, c'est pas normal qu'on pose déjà des questions. Non, un traitement particulier. Écoute, maman. Écoute, maman, un traitement particulier, ça peut être vu sur plusieurs angles. Ça, je te le dis déjà. Il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Il y a des personnes qui ont des troubles de santé. Il y a des personnes même qui sont debout comme ça sur un fauteuil roulant. Il y a des personnes qui sont. Donc, tu vois, tu peux voir ça dans tous les angles. Hein. Ce n'est pas juste pour dire que c'est un favoritisme. C'est vraiment comme vous devez un traitement particulier. Puisque tu as rempli un formulaire, tu ne connais pas, elle est assise chez elle ici au Canada. Les gens qui prennent les présélections de ces formulaires sont là-bas au Cameroun et tu es en train de remplir pour déposer au secrétariat. Donc, tu peux dire que oui, j'ai besoin d'un traitement particulier parce que je ne peux pas monter les escaliers, par exemple. Ou bien, bon, moi, je suis sur fauteuil roulant. Ah, est-ce qu'au centre, on a des escaliers ou des rampes pour ça? Ou bien, moi, je suis une personne qui a un problème de santé, des problèmes d'audition. Audition veut dire que peut-être je n'entends pas très bien. Il faut qu'on me mette au premier banc quand je suis en classe. Maman, oui. Maman, oui. Je ne suis pas en train de vous couper. Mais lorsque nous allons souvent dans d'autres établissements, les questions ne sont pas posées. Je suis d'accord. Mais elle est dans l'université. Maman? Oui, je sais, bébé. Oui, je sais. Mais l'université, ma fille. Ma fille, on lit ensemble. C'est l'université de la mode. Où vous fatiguez, bon? Parfois, université. Donc, ça va me... Question de l'université. Bon, question, donc, ça va me... C'est des questions. Donc, tu peux voir ça dans les angles. Je ne parle pas université. Donc, ma fille... Ça dit que oui, on peut se voir sur tous les angles possibles, mais ça peut aussi parler d'une autre chose qui n'est pas... Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça, c'est toujours pour ne pas envenimer. C'est-à-dire que je reste encore, comment je peux dire, conciliante dans ce dossier, dans le sens que elle n'a qu'à voir avec ses profs et dit, j'ai une session d'élèves assez téméraires et têtus qui sont déjà allés me trouver sur Facebook et que dans leur truc de pétition, parce qu'on peut lancer une pétition, les autres élèves veulent aussi venir pour parler. Ça risque de faire de l'établissement. Oui. Elles sont fous, elles ont peut-être 1 million d'abonnés, comme elles sont assises sur leur trône. Mais un trône comme ça dégouline aussi facilement et tombe au sol. On a des cas. Donc, il faut préserver l'image de l'université. Sinon, ça devient l'école maternelle de la mode. C'est pas compliqué. Tu comprends un peu? Donc, sans vraiment vouloir, c'est sûr que tu as les... Et normalement, un étudiant qui a les questions se veut d'avoir des réponses. Mais tu sais, c'est pas tout le monde. L'éducation, les valeurs, il y a des gens qui rabouent les autres comme s'ils ont grandi dans un quartier de... Comme si tu étais une république de bananeraie. Tu te dis, on a marché de poissons ici. C'est la façon qu'on te dit, tu dis, je sors de chez moi. Je viens pour... Et on me parle, vous fumez quoi? Tu vois, il y a des gens qui ne tolèrent pas ça. Tu comprends, non, ma fille? Donc, dis à tes amis, tu peux faire un post, tu peux partager ma vidéo, tu mets en titre que début de machin. Sinon, on va programmer un direct parce que là, j'ai un direct important à suivre tout à l'heure. C'est même pas ça qui a commencé. Je vais aller suivre ça. Ça s'appelle Tata Lolo TV. Tu connais mon bébé? Oui, maman, là-bas, tu connais. Oui, c'est ça. Là-bas, là, le président va passer. Ça donne les insomnies. Donc, moi, je dois aller là-bas pour faire le Japon. J'ai même les questions à poser là-bas. Donc, quand le moment, tu partages en mettant le titre là et tu fais aussi un post en disant que tu vois là où il y a les commentaires. Maman,
je serai là pour le prochain direct. Voilà. Je salue tous les enfants qui ont été frappés par l'école maternelle de la mode. Jusqu'à preuve de contraire, ça reste l'école maternelle parce que tout ce qu'on a entendu, ce n'est pas digne d'une université de la mode. Donc, ceci étant, les enfants, prenez votre mal en patience. Nous voulons, on sait que bon, il vous a promis un diplôme, il ne va pas donner, il vous a promis, mieux vaut un que rien. Donc, mieux donne même le certificat là, mais que vous ayez quand même complété les trois autres modules. Tu ne peux pas ne pas savoir comment on marche sur les talons et la technique de marche et aller prendre le certificat de ça. C'est le raccourci de la vie, maman. Donc, elle doit compléter certaines choses. Ou alors, dans l'argent, comme c'est quatre choses, elle a donné que un, presque un, on va lui dire que, OK, il manque trois. Donc, divise l'argent par trois. Elle vous remet trois parts et elle garde une part. Dans la vie, on dit souvent que Pinton, bonjour, on entend. Donc, la perte au marché, c'est l'affaire du commerçant. Elle doit considérer que sur le tout, sinon, elle a perdu, elle est tombée sur les enfants, comme moi. Parce que moi-même, ta mère, je suis quelqu'un que quelque chose n'arrive pas et ferme ma bouche. Je ne vais pas parler, oh, ah. Si elle ne parle parce que j'avais rien à dire. Je parle, je prends le micro, je parle jusqu'en. C'est comme ça. Et on ne m'entend, on dit souvent que oh, elle avait les mecs, puis je reste avec les mecs, mais je ne fais que parler. Je parle jusqu'à ça, c'était plus bien. Donc, tu n'as pas mal fait, ma fille. Beaucoup de courage, les enfants. Moi, je suis une maman, je peux avoir des filles comme vous. Je peux, tu sais, vraiment là, ça m'a touchée parce que ma grande fille qui m'a dit au revoir quand elle a 24 ans, dans quelques semaines, c'est une fille que je ne veux même pas que quelque chose lui arrive. Donc, je me dis, si on lui fait ça, qu'est-ce que je fais? Vous comprenez? Donc, beaucoup de courage, ma fille. Donc, ça va aller, quoi. On attend que Castille. Oui, bébé. On va chez Tata Lolo TV. On va attendre où ça y a commencé. Je m'avais pris le train en marche. Bisous, ma fille. Yako. Ton nom est un peu compliqué à moi. Je ne sais pas si je vais être capable. Jorel, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, j'ai mis Jorel. Ok, c'est beau alors. Bisous, ma fille. Embrasse les autres. Dis-leur que les mères les saluent et les bisous. Mais ne lâchez pas pour vos droits. Dans la vie, le mental est fondamental pour vos droits et vos intérêts. Ne reculez devant rien. Dans le respect. Il ne faut pas commencer à dire imbécile, sale, bordel. Mais dans le respect, réclamez votre dû. Ainsi va le monde. C'est-à-dire que, oui, dans le respect. Vous avez vu, je ne l'ai pas insulté. Hein. C'est une très belle femme. Son mari, c'est un bel homme. Elle coule les beaux habits. Je vois toujours ça. Mais elle doit régler le problème des enfants. D'accord? Bye. Bisous les internautes, je m'en vais attendre. Si la télé a commencé, si ça va commencer, je vais m'asseoir là-bas. Mm-hmm.